Et aujourd'hui, on a du courrier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a reçu une lettre qui nous vient de Kiyomikrea. Kiyomikrea, si vous vous souvenez, ou peut-être vous ne le savez pas, c'est une petite youtubeuse qui fait des vidéos sur à peu près tout ce qui peut être crafté au monde. Et c'est beaucoup de DIY, c'est beaucoup de dessins, elle fait aussi des ouvertures d'Onion Box, elle fait aussi des ouvertures de cartes Pokémon. Et souvenez-vous, j'avais fait une vidéo avec elle, sur sa chaîne, qui est disponible sur sa chaîne, où on avait fait un battle d'ouverture de cartes Pokémon. Et bon, j'ai perdu, hein, mais si vous voulez la voir, c'était très sympa, c'est sur sa chaîne, n'hésitez pas à y aller. Et aujourd'hui, elle m'a envoyé un petit échantillon de ce qu'elle fait, de ce qu'on peut trouver sur sa boutique. Et tout est fait main, hein, donc... je pense que toute une partie est fait main, je ne sais pas. Alors, on va tout de suite ouvrir, c'est une petite lettre. Je me munis, je pense que je n'en ai pas besoin, mais je me munis la petite baguette magique du Note 3. Et effectivement, j'en ai pas besoin pour l'instant. On va mettre ça sur le côté. Alors, c'est envoyé tout ça dans une petite pochette papier bulle. Alors, j'ai oublié de préciser aussi qu'elle est très forte en dessin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un ordre, je suppose. Donc 1, 4, après le 1 il n'y a pas 4, hein. Ah bah j'ai une petite lettre que je dirai après. Après le 1 il y a 2, donc j'aimerais bien avoir 2. Hop, on a le 2 qui est là, on a le 3, donc on va ouvrir tout ça dans l'ordre. J'adore parce que c'est bien emballé. Et après vu le coup, il y a quelque chose en plus. Qu'est-ce que c'est? C'est numéro combien ça? 5, d'accord, c'est donc ça en dernier. Donc c'est bien emballé, donc, j'ai pas regardé, c'est marqué. Ah, j'ai vu des trucs, mais j'ai pas regardé. Je vais lire après la lettre. Hop, donc on va ouvrir le numéro 1. Et regarde le scotch. Le scotch Totoro. Regarde. Scotch Totoro. C'est super ce scotch. Il va falloir que je te demande où tu l'as trouvé parce que là. Ah! Déjà, je suis content. C'est génial. C'est un petit bijou, enfin, porte-clés, quoi, de Dragon Ball Super. Donc, c'est Sangoku en version Dieu. Super. Génial. Parce qu'en plus, sur mes clés, j'ai Sangoku en version Blue. Donc, ça fait très les plaisirs. Alors, bon, je vais utiliser une baguette. J'espère que je n'ai pas coupé un truc. Ah, bah ça sort par là. Alors, celui-là je l'attendais. Celui-là je savais à peu près ce que c'était. Je sais pas si on va bien voir à travers. Alors, on a le Fantominus. C'est un marque-page. On a le Fantominus, Spectrum, Ectoplasma, un espèce de petit chibi, un petit très très mignon. Donc c'est un marque-page super sympathique avec les petits Pokémon. Et je m'en servirai, il n'y a pas de souci là-dessus. Tout est fait main, hein, je crois même qu'elle fait des tutos, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. On arrive déjà à la troisième surprise, je dirais. J'ai réservé moi-même quelques surprises à Kiyomi dans les prochains jours, là ça devrait partir. Et je pense qu'elle sera pas... Oh là là, ça s'est ouvert. Oh là 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 là. Alors là les gars, celui-là il est collector, celui-là il va être affiché derrière sur mon bureau là. Il y a la petite signature qui prouve bien que c'est Kiyomi qui l'a fait. C'est un ectoplasma au crayon, si je dis pas de bêtises. Ou au pastel, je sais pas. Tu me diras si je me trompe ou pas. C'est un ectoplasma qui est magnifique. Tout ça sous un papier plastique. Donc ça ne craint rien. Et ça ne craint pas l'humidité. Par exemple, quand on essaye de mettre des gobelets sur des bouteilles d'eau qui sont déjà ouvertes. Voilà, là ça va ne pas craindre. Il n'y aura aucun souci. C'est super bon. Franchement, j'ai un niveau qui est très médiocre en dessin. Et je n'arriverai jamais à faire quelque chose comme ça. Et voilà, c'est ce qui m'énerve parce qu'elle est meilleure que moi. Bon. Hop, on va passer au 4. Hop. Hop, je vais mettre celui-là à côté. Le 4 qui est super bien emballé. Qu'est-ce que c'est?
Non. Je crois que j'ai deviné ce que c'est. C'est ça, c'est la folie. Ouais, y a... Pour me faire plaisir, il faut pas grand-chose. Et là, voilà, c'est ça. J'en étais sûr. C'est un ectoplasma galaxie. Avec... oh là là. Alors, comment tu as fait ça? Tu as fait un pochoir, je crois. Je n'ai pas regardé tous les tutos et tout ça, mais là, je crois qu'il y a un pochoir. C'est sur un papier assez bien cartonné, qui est costaud, c'est du costaud quand même, avec de la peinture et... Ah, je croyais que c'était collé, mais non. C'est, tu as dessiné, tu as fait un pochoir et tu as fait des gouttes, je sais pas, avec une brosse à dents, peut-être, je ne sais pas. C'est super bien fait, je vous montrerai la petite galaxie dans ce ectoplasma qui est magnifique. Full ectoplasma, vous l'aurez remarqué, on va pas se mentir, il y a beaucoup de choses. Enfin, il y a peu de Pokémon qui me plaisent et donc celui-là en fait partie. Alors ça, c'est le petit dernier qui est dans un petit sac. Moi, je crois me douter ce que c'est parce que Kiyomi est aussi une professionnelle de la pâte Fimo. J'espère que j'ai regretté. Désolé, pochette un peu. Fifi, ah d'accord. Ah, c'est pas grave. J'en ai vu des choses. Depuis que j'ouvre les Ninebox, je ne me fais plus de réflexion de ce style-là. Ah, c'est emballé. Ah non. Oh là 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 là, j'avais raison. Et là, on a une experte en pâte Fimo. C'est un porte-clés, je suppose. Hop. C'est pas sûr, on va bien. De ectoplasma. Totalement en pâte Fimo, totalement fait main. Ouais, ça. Bon, une petite critique, il manque les petits pics à l'arrière. Mais c'est, j'imagine que c'est galère à faire. Mais voilà. Et tout est fait main, attention, les gens. Donc, bon, ça, je sais pas, peut-être que tu le rajoutes après, je ne sais plus. Mais c'est quand même aux couleurs de l'ectoplasma, noir, violet, blanc. Un peu de rouge, peut-être, il manque. Mais c'est pas un souci. C'est génial. Ah oui, la lettre. Hop. Alors, où est-ce qu'elle est, la lettre? Les trouilles. Merci pour ce jeu de mots. Enfin arrivé, effectivement, enfin arrivé, parce que j'ai eu pas mal de soucis déjà à la réception, et j'ai pas trouvé le temps pour tourner tout ça. J'espère que tu vas bien, oui ça va bien, sérieusement, super bien, voilà, j'avais été amené. Vu que tu l'as enfin reçu le colis, oui, je l'ai enfin reçu, donc voilà, j'ai dit que c'était très long. Alors voyez, peut-être pas été très long, alors voyez, ça a été long de le recevoir, c'est pas pareil, c'est la puissance de la poste. Et après, le français, j'ai envie de faire si je me force, donc voilà, c'est ectoplasma, c'est ce que j'aime, donc j'espère que t'as kiffé en faisant ça, parce que moi j'ai kiffé à ouvrir ces petites lettres, ces petites choses. Alors, les numéros, le 1, je sais que tu aimes ce manga, c'est pas ce que je préfère, donc je te le donne. Une petite babiole. Non mais non, c'est Sangoku. C'est Sangoku, c'est pas une petite babiole, Kiyomi, là, il y a un moment donné. Marque-page, je savais, tu me l'avais montré. C'est la première fois que j'ai utilisé ces crayons sur du... Ah, c'est au crayon, voilà. C'est... Aquarelle, j'ai des buts, j'espère qu'il te plaira. Oui, l'aquarelle me plaît. C'est super bien fait, j'adore ce concept d'espèce de galaxie comme ça. Et oui. Et les éclats aussi, je sais pas comment... Les éclats aussi, j'appellerais ça. Je trouve ça super sympa. Et ça fait ressortir un petit peu l'ectoplasma. Même s'il y aurait eu un petit travail d'ombre derrière, ça aurait été super génial. Mais là, c'est top, j'adore. Petite chose, on se le demande pas. C'est une lettre thématique de ectoplasma. Voilà, c'est fini, gros bisous, je t'adore, merci à toi, je t'adore aussi, des gros bisous. Voici mon adresse, donc l'adresse est cachée, donc ça, je vais pas montrer. Je monte pas la lettre, hein, parce que... Prendre, je déménage en octobre, ah mince, il va falloir que je me bouge. Je donne, si tu me réponds, après, je te répondrai sans souci. Ça fait plaisir, merci pour ta létrouille.
Merci pour tout ça, c'est super beau, c'est tout fait main, et c'est ça que j'aime. Et c'est ça, c'est là qu'on reconnaît les vrais artistes qui ont tout fait main, alors que moi-même, je ne fais pas tout à la main. Donc, ce qu'on avait, donc, c'était une foule, quasiment, d'ectoplasma. Hop, le petit marque-page qui fait plaisir, ainsi que le petit ectoplasma en pâte Fimo. Voilà, donc, déjà, j'ai été très heureux de recevoir des lettres, parce que je ne reçois jamais, normalement. En plus de ça, je reçois d'une collègue youtubeuse qui a une très belle chaîne, avec des bons tutos et des beaux dessins, des magnifiques tutos Fimo aussi, des magnifiques créations, qui est une boutique aussi, je mettrai tout ça dans la description, qui est une magnifique boutique où elle va, voilà, où on vend, on trouve ce genre de choses, les marque-pages, des dessins et tout ça, tout est fait main, et ça, on adore. N'hésitez pas à aller checker, à aller voir, jeter un petit coup d'œil. Bon, la seule chose qui n'était pas fait là, c'était évidemment le Son Goku. Mais bon, voilà, on ne peut pas tout aimer. Voilà, je suis... Et voilà, donc merci à tous d'avoir regardé. Merci à tous, si vous allez checker sa vidéo, ses vidéos et sa boutique dans le lien, vous trouvez forcément quelque chose qui va vous plaire. Il y a forcément un truc qui va vous dire, parce qu'elle adore les mangas, elle adore tout cet univers, voilà, de Pokémon, tout ça. Donc allez checker. Sur ce, je vous dis à bientôt pour peut-être une prochaine ouverture de courrier, je sais pas, ou sûrement ce sera sur la chaîne de Kyomifer. Voilà, je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas à lâcher un petit like si vous voulez avoir plus de vidéos, ouverture de colis, ouverture de lettres d'autres youtubeurs qui sont des créateurs. Voilà, ça c'est important. Fait connaître les petits créateurs. Merci à vous, merci à tous, n'hésitez pas à partager parce que ça me fait connaître en même temps moi et en même temps le travail de Kyomifer, ce qui est important. Et voilà, et mettez-vous bien.